Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour corriger des erreurs que j'ai fait donc dans la dernière vidéo sur la Clicky par rapport au Z-Offset. Donc on va regarder à ça tout de suite. Alors dans ma vidéo sur le réglage du Z-Offset, je vous avais dit que la pin du endstop devait toucher le endstop de la Clicky. Alors c'est pas vrai du tout. C'est le corps du endstop de la Clicky qui doit toucher la pin du endstop Z. Donc, c'est-à-dire que dans les données que je vous avais données, il faut que vous enleviez 5 mm par rapport au probe nozzle X. Donc, moi, dans mon exemple, dans la vidéo, j'avais indiqué 205. En réalité, c'est 200. Alors, ça vous permet d'avoir vraiment le corps du endstop qui touche la pin et rien d'autre. Ensuite, j'ai remarqué un autre phénomène, c'est que ici, j'ai une plaque en PEI qui est légèrement plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude. Alors, c'est parce qu'elle est double face, simplement. Du coup, j'avais un problème, c'est que la endstop avait tendance à toucher, à cogner ce plateau. Donc j'ai dû reculer légèrement le endstop par rapport à l'axe Y. Donc là, je suis reparti de la valeur du probe nozzle Y et j'ai enlevé 18 mm. Donc ça me donnait 282 mm en Y à la place de 280,25. Alors on le voit peut-être pas bien là à la vidéo, mais en réalité, voilà, avec les coordonnées que j'avais indiquées, si vous voulez faire un Z calibration, en fait, vous avez le corps du endstop qui touche légèrement la plaque. Et donc ça fait en sorte que les données qui sont renvoyées par le Z calibrate ne sont pas bonnes du tout. Donc ce que j'ai dû faire, c'est donc reculer en Y et le mettre quelques millimètres plus loin. Donc ça donne ceci. Du coup, la bonne opération mathématique à faire, c'est le probe nozzle Y moins 18 mm à ce niveau-là. Et donc, pour rappel, le probe nozzle X, vous faites moins 5 mm par rapport à la donnée que je vous avais donnée dans la vidéo précédente. Voilà, donc sincèrement désolé pour la petite erreur qui s'est glissée dans le tuto. Malgré le fait que j'ai répété la manipulation avant de faire la vidéo, etc., ben voilà, on remarque qu'il y a quand même des erreurs qui passent. C'est pas grave, ça arrive, l'erreur est humaine. J'espère par contre que ça n'aura pas eu d'impact sur votre montage, donc je préfère faire la vidéo le plus tôt possible au moment où j'ai remarqué l'erreur. Voilà, alors un tout grand merci encore une fois à tous ceux qui me suivent, à ceux qui mettent des pouces bleus, à ceux qui s'abonnent, etc. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!